comment avance l'entraînement de Benjamin? Ça avance pas vraiment en fait. As-tu pensé à l'initier à la Keyblade? Je vois pas l'intérêt, mais bon, si tu insistes. Je suis venu chercher la Keyblade. Depuis quand vous avez des Keyblades, vous? On n'a pas le temps pour ça, partez! Je pourrais peut-être savoir ce qui se passe. Tu mérites effectivement des explications. Bon. Comme tu le sais, cela fait quelques jours que j'analyse ta Keyblade. Et que j'entraîne Benjamin. Avant-hier, j'ai fait une découverte. Lors de mes tests, je me suis rendu compte que la Keyblade avait comme une perturbation. Une sorte de champ électromagnétique provoqué par... Disons qu'elle émettait un signal. Ah. Et j'ai donc bidouillé une machine me permettant de capter ce signal. Il faut vraiment que je trouve du vrai matériel. Et j'ai recensé un signal particulièrement fort. Non, c'était plusieurs signaux. Disons que c'était plusieurs signaux qui se portaient les uns les autres pour aller très 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 loin. Je suis pas sûr d'avoir tout compris. Peu importe. J'ai donc suivi ces signaux et quelle ne fut pas ma surprise lorsque je me suis rendu compte qu'il s'agissait de l'endroit où je vous avais envoyé toi et Rubito il y a un mois. Et après une rapide inspection, je fus encore plus surpris de découvrir... ceci. Oui. Mais ce sont des... Tout à fait. Et comme tu peux le voir, certains emplacements sont vides. Mais alors, c'est pour ça que tu voulais que j'initie Benjamin à la Keyblade? Exactement. J'ai continué mes analyses et j'ai découvert que chacune de ces Keyblades émettait un signal... très différent. Certains sont plus agressifs, d'autres ont énormément d'énergie. Mais alors... Comment vous en êtes arrivé à affronter le soldat armé? Eh bien, dans mon cas... Fascinant. Tout va bien? Ouais... Réveille-toi! Réveille-toi! Toi! Comment ça, toi? Il s'est passé quelque chose avant? Ah. Et tu connais la suite. Et après, comment ça s'est passé? Tu ferais mieux de nous rendre la Keyblade de Sam. Vous faire ça à la manière douce ou à la manière forte? Vous pouvez toujours rêver. Elle est à moi. Terence, me ferais-tu l'honneur?
C'est vraiment passé comme ça? Non, pas du tout. Oh mon dieu! J'espère qu'il n'a rien. Il n'aura qu'une bosse, mais que peut-on faire? On ne peut pas le laisser ici. Il y a juste une chose que je comprends pas. Pourquoi Terence avait un gilet à capuche? Eh bien, disons que Terence n'est pas le seul à avoir des activités nocturnes. T'es au courant? Évidemment que je suis au courant, tu es loin d'être très discret. Nous en reparlerons une autre fois, nous avons d'autres choses à faire. En attendant, réfléchis-y et repose-toi. Vous avez encore échoué.